Vous avez un cahier par point de blocage. Parce que nous aimerions avoir des relais sur chaque ville qui va être concernée. Donc s'il y en a qui se sentent vraiment porteurs et dans la dynamique, par exemple, sur Carpentras ou Orange, Bolène, bah, qu'ils nous le disent, parce qu'ils repartiront avec le cahier. Donc ça va nous permettre ensuite, lors des réunions de secteur, parce qu'on va se déplacer, vous rencontrer chaque point de blocage, bah, d'avoir une information, d'avoir vos numéros de téléphone, ça va être beaucoup plus facile pour nous à gérer, parce qu'on va créer à partir de là, à partir de ce soir, les différents groupes. Voilà. Ça ne sert à rien à partir de demain de refaire une réunion générale. Je pense qu'on a tous beaucoup d'activités, beaucoup de travail. Et ensuite, par contre, on se réunira le temps qu'il faudra. S'il faut descendre deux fois à Bolène, on ira deux fois à Bolène. Mais que l'on puisse vraiment structurer le mouvement au top pour que le samedi matin, 8h, ben, le démarrage des hostilités se fasse. De concert, voilà. Donc on va attendre encore un petit peu et puis après on va expliquer un petit peu la démarche qu'on va enclencher ce jour-là, le pourquoi on est ici. Et parce que je pense qu'on a eu beaucoup de questions concernant la raison du samedi. Je pense qu'on l'a développé sur les réseaux. On est là le samedi pour éviter d'emmerder le moins possible de gens à aller travailler. Tout le monde serre la ceinture, perd une journée de travail, beaucoup, ça devient de plus en plus compliqué. Donc le samedi, après on va communiquer là-dessus pour éviter que les gens se déplacent, hein. On n'est pas obligé de se déplacer un samedi pour aller acheter des quoi que ce soit, pour rester à la maison et faire du jardinage, donc c'est pas une obligation. Donc tout ça, on va en parler, on attend encore 5 minutes, parce qu'il y a des gens qui étaient sur le parking. Bon, on a fait un petit point tout à l'heure, je vais reprendre le fil. Donc, je me présente Christophe Chalençon, je suis artisan forgeron, je suis élu chambre de métier de l'artisanat, hors syndicat, je le précise, hors syndicat. La chambre de métier, il y a deux syndicats, moi c'est le syndicat du bâtiment qui est venu me chercher, sachant que je leur ai dit que je ne payerai aucune cotisation. Donc, ils m'ont accepté, je devais être 15e de liste, et ils m'ont mis second parce que j'avais de la gouaille. Voilà, donc... Je me suis retrouvé élu sans le vouloir. Je n'ai jamais eu de carte, je n'étais jamais encarté politiquement dans aucun parti. Pour moi, un parti, c'est un couloir dans lequel on rentre et malheureusement on ne peut pas sortir ou on n'a pas le droit de regarder à côté. Je me suis encarté donc, une seule fois dans un mouvement citoyen qui s'appelle Génération Citoyenne. Voilà, c'est la seule chose que j'ai faite parce qu'il y avait un partage d'idées qui me plaisait. Donc quand on dit politiser, et je défendrai toujours le fait, et nous défendrons, parce que le mouvement c'est ça, qui n'est pas politisé et ni porté par des syndicats. Alors hier j'ai fait une petite vidéo concernant la pétition FN qui est sortie sur les réseaux, dénonçant le fait que nous étions dans une... c'était un rattrapage politique. Bon... je ne visais pas uniquement le FN, je visais tous les partis politiques, je visais aussi tous les syndicats. Bon, j'ai appris, parce que l'info m'avait été donnée par le National, parce qu'on est en contact, tous les départements sont en contact et on reçoit des centaines de messages. Donc le FN avait lancé cette pétition au mois de janvier déjà. Donc je suis allé un peu trop vite en besogne. Donc là, par contre, j'ai eu la confirmation, donc je m'excuse auprès des gens qui sont FN, puisque la pétition avait sorti un petit peu tôt, mais ce qui n'empêche pas que nous n'accepterons pas. Et là, j'ai eu confirmation de la part des représentants qu'il n'y aura pas d'élus avec écharpe ou macaron lors de nos manifestations. Nous les refusons catégoriquement, eux et d'autres, hein, je veux dire PS, Parti communiste, parce qu'on reçoit aussi des demandes de Parti communiste. On oublie ce mouvement, cette action, cette vague, vous l'avez créée vous, c'est une action citoyenne, voilà, qui part de la base. On défend une seule chose, c'est notre pouvoir d'achat. On défend pour le moment, c'est le pouvoir d'achat, c'est toutes les taxes qui nous accablent
au quotidien, hein, et chaque année on reçoit une cartouche. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on est ici présent. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude de parler devant autant de personnes. Voilà. J'ai de la gouaille dans mon atelier tout seul devant la caméra, mais là je suis assez impressionné. Bon. La crée. Il paraît que ça a énervé beaucoup de monde. Ben, j'ai pas rendu compte. C'est vrai? Excusez-moi, je le referai plus. Il y en a un qui me cadre maintenant. Donc, le porte-parole, pourquoi? Parce que ça, j'ai des reproches aussi de personnes qui me disent « Mais attends, tu t'es auto-proclamé porte-parole. » Pas vrai. Donc moi, j'étais tout seul dans mon atelier, en train de... Bon, je suis des actualités parce que je suis très actif sur les réseaux, pour diverses raisons, parce que j'aime mon territoire, le pays au Ventoux. Nous sommes très actifs sur le territoire au Ventoux. Après, en tant qu'élu, chambre de métier, ben oui, je suis actif. J'avais créé le RDI, Révolte des Indépendants, pour appuyer le trop de charges sur les travailleurs indépendants. Donc l'objectif, le 17, il est clair, c'est de prouver au gouvernement que les Français peuvent s'unir simplement, pas simplement pour un ballon rond. C'est beau, c'est magnifique, mais ils peuvent s'unir aussi pour beaucoup de choses. J'ai eu l'occasion, parce que par ma position d'élu chambre de métier, de défendre l'artisanat, de rencontrer des députés. Ça fait 5 ans que je les préviens de ce qui va arriver aujourd'hui. Et si mon discours il a résonné chez vous, c'est pas parce que j'ai fait d'un coup de tête la démarche de me filmer et voilà. Ce que j'ai expliqué, je vais même au-delà. Ça fait, à partir du moment où j'ai réfléchi et je me suis penché un petit peu sur la politique qui était menée en France, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros décalage entre ceux qui nous gouvernaient, les élus qui soi-disant nous représentent, et la réalité du terrain. D'accord ? Donc il y a 5 ans, quand j'ai commencé à rencontrer des députés en leur disant « Messieurs, ça va pas, il y a un gros malaise à la base, il y a un gros malaise. Voilà. » On n'est pas compris. On n'est pas du tout compris. Donc aujourd'hui, je dis, on va aller vers quelque chose, à mon avis, de très négatif. Mais je ne m'attendais pas à ça, à ce mouvement qui est parti d'une pétition. Et aujourd'hui, on se retrouve peut-être 300 dans une salle. Voilà. Donc, le malaise, tout le monde le connaît. Tout le monde le digère dans son coin, dans son chez-soi. Le soir en rentrant, le soir en allant dans la glace. Le 25 du mois en se disant, putain, comment je vais faire pour, voilà, pour payer le combien ? Peut-être avant. Quoi. Mais oui, je suis gentil. Voilà, peut-être le voilà, certainement le 15. Donc les gens, ils sont déconnectés. C'est ce que j'ai dit ce matin à la radio. Il y a des gens qui travaillent 32 heures parce qu'ils ne peuvent pas travailler 35 heures et qui gagnent 900 euros par mois. Et là, ce matin à la radio, j'ai dit, il faudra qu'ils m'expliquent comment, avec 900 balles par mois, on peut vivre. Décemment. Pardon ? Voilà, bon. On doit vivre avec ça. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui est malheureux, c'est que, j'ai dit ce qui est dangereux pour vous, parce que pendant des décennies, vous nous avez endormi, mais aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, ben, ça permet ça, cette unité, parce que moi, je suis assaut pour venir vous chercher au Ponté ou à Avignon, tout ça, il faudrait que je dépense beaucoup d'essence. Là, bon, c'est magique. C'est magique. Mais ceux qui ne se rendent pas compte, c'est qu'il y a des vidéos que l'on peut sortir de 4 ou 5 ans où nous ont raconté l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est au quotidien. Et c'est ce que j'ai expliqué ce matin à la radio. Nous avons des hauts fonctionnaires qui touchent des salaires de 300 000 euros. D'accord ? Et on demande aux Français de se serrer la ceinture et de vivre avec 1100 euros par mois. Donc ça ne le fait pas. Ça ne peut pas le faire. Et ça ne peut plus le faire. Aujourd'hui, on est en... Il faut qu'on change de logiciel. C'est clair et net. Parce qu'on part à la catastrophe. Donc on se réveille, nous tous, citoyens, on s'unit et pacifiquement, on leur démontre qu'on a une capacité à aller dans une autre direction, mais gentiment, en leur expliquant gentiment. Ou alors, moi, personnellement, j'ai peur qu'on aille à vraiment une fracture de la société. Et
Et je pense que ce n'est pas ce qu'on veut là. Tout court dans cette salle, je pense que ce n'est pas ce que l'on souhaite. Voilà. Donc dans la vidéo, je l'ai expliqué. J'ai expliqué, je pense que si vous voulez, je vous le répète, hein, le système pyramidal dans lequel on vit et ce qu'est réellement la France, quoi. Pour moi, la France, c'est pas ça. La France, c'est pas l'image que Macron a voulu nous faire voir de la pyramide avec une élite qui est en haut et qui nous regarde et qui sourit, quoi, ou qui se lave la main quand il vient nous la serrer. On a tous là des mains de travailleurs, elles sont propres. Hein. Par contre, ce ne sont pas tachées de sang. Voilà, ça, c'est le petit message. C'est propre, ça travaille. Vous avez tous des mains de bosseurs. Et même celui qui, malheureusement, aujourd'hui, ne bosse pas, c'est propre. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut qu'ils en aient conscience. Après les retraités, ce que j'ai expliqué à la radio ce matin, on a beaucoup de retraités ici. Ces personnes-là ont cotisé pour ceux qui étaient là avant eux. Aujourd'hui, on leur demande de se retourner et de cotiser pour ceux qui arrivent derrière eux. Alors là, il y a un gros malaise. Voilà. Là, il y a un gros malaise aussi. Ensuite, les taxes, il faut arrêter de nous ponctionner. Alors, c'est du 1%, c'est du 0,5%. Puis on va vous enlever un peu là et on va vous en rajouter une tartine à côté. Non. Là, bientôt, on nous a dit qu'il allait y avoir une carte grise pour les bicyclettes. Bon. Oui, une carte grise pour les bicyclettes. Alors, à la radio, j'ai dit bientôt, on va avoir une taxe sur les pompes. Voilà. Alors, les nanas qui ont 30 paires de pompes dans l'armoire, ça va être compliqué pour elles. Alors, aujourd'hui, ce mouvement, parce qu'il est lancé, il va prendre de l'ampleur. Par contre, on n'est pas là pour simplement boucher un trou qui est dans la chambre arrière avec une rustine. Parce que ça, je pense que le gouvernement va nous endormir. D'accord ? Il va reculer. Parce que ça, on va déjà le stopper, on va le faire reculer. Ça, c'est garanti. Parce que moi, j'irai jusqu'au bout. J'ai 52 ans, j'ai 3 garçons, j'en ai dans la salle, là. Ils ont tous un boulot, ils sont en formation. J'irai jusqu'au bout. Même si je dois aller en tôle, j'irai jusqu'au bout, je vous le dis. Je lâcherai rien. Donc aujourd'hui, il y a un trou dans la chambre arrière. Ça ne sert à rien de mettre une rustine et de remonter la chambre arrière dans le pneu si on n'enlève pas le clou. Hein. D'accord ? Donc le problème, c'est qu'il va falloir ce combat aujourd'hui. Là. Et ça me fait monter les poils. Ce combat aujourd'hui, on va enlever le clou du pneu. D'accord ? Voilà, parce que c'est la masse, c'est nous. Alors ils peuvent avoir autant de guerriers qu'ils veulent au niveau de la préfecture et compagnie. Par contre, nous, on a la masse et on est pacifistes. Donc s'ils viennent nous chercher, on ne bougera pas pour le moment. Voilà. Le 17 novembre, c'est une réunion pacifique. On bloque, on fait voir l'unité du peuple français. Ça s'arrête là. Après, on a le temps, d'ici 3 semaines, de se rencontrer et de voir les actions que nous mènerons après. Voilà. Parce qu'il y a quand même quelque chose d'important, très important. C'est que nous avons un président, nous avons un gouvernement, mais ici, sur notre territoire du Vaucluse, nous avons 5 députés. D'accord ? 5 députés qui coupent des écharpes, qui coupent des rubans, voilà, qui devraient nous représenter. Ils ne nous représentent pas. Hein. Aujourd'hui, ils représentent des partis politiques. C'est-à-dire que la politique, elle est faite à l'envers de ce qu'elle doit être faite. C'est-à-dire qu'on a une oligarchie qui donne des lignes de conduite, et les députés l'appliquent. Ils votent comme des moutons. Voilà. C'est pas ça. La 5e République, on a voté pour des députés qui devraient nous représenter. Donc ces députés-là, il faut qu'ils s'attendent dans les semaines qui suivront à ce qu'on aille les rencontrer. Peut-être aller secouer un petit peu. On verra. Oui. On verra. Moi, personnellement, faut qu'ils s'y attendent dans mon secteur. Voilà. Ça, c'est clair et net. Voilà un petit peu la démarche. Donc, le 17 novembre, je crois qu'on est à 13 points de blocage. Il va falloir du monde. Si on voit qu'on n'arrive pas à unir sur les 13 points de blocage, on en réduira. Ça ne sert à rien de se retrouver à 5 ou 6 dans un rond-point.
Il vaut mieux faire un blocage sérieux sur un secteur. Point de blocage, il y a des endroits comme je l'ai dit tout à l'heure, le point de blocage sur Carpentras, on a l'hôpital qui est juste en dessous, il faudra être intelligent, laisser une voie d'accès pour tous les services de secours, police, et voilà. C'est quoi ? Non, mais après les citoyens, s'il y en a qui veulent circuler, ils circuleront, de toute façon on ne va pas bloquer. Voilà. Oui. Écoute, j'ai ma fille qui travaille à l'hôpital à Carpentras. Les infirmières et les soignantes qui ne travaillent pas ce jour-là, elles se sont déjà mis d'accord la semaine dernière pour bloquer le giratoire à Carpentras. Les deux. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Je pense que par contre, je pense que tu crois trop que c'est un monde de bisounours encore. On bloque pas, on laisse passer. Maintenant que ça soit les ambulances, les pompiers et les flics, ok. Maintenant c'est où on bloque, où on fait que dalle. C'est clair, net et précis. Le problème que tu évoques, c'est le problème que c'est technique. C'est-à-dire que si on bloque la rue complètement, enfin les routes complètement, et qu'il arrive un camion pompier, tu le fais passer comment ? Non mais alors on bloque. Ah d'accord. Donc on prend la décision de bloquer. Action. Action. Tout. Bon, alors on va faire un communiqué dans ce sens-là, donc c'est blocage total, avec des barrières de sécurité pour laisser passer tous les... que ce soit pompiers. Ça vous va ? Oui, une chose, j'ai bifurqué sur le porte-parole. Donc moi, comme je vous l'ai dit, on est venu un petit peu me chercher, enfin, les personnes qui ont créé la page, donc je l'ai pris. Par contre, si dans la salle, il y en a qui se sentent plus de voix et beaucoup plus... je glisse, hein. Je glisse. Je serai le 17, je me battrai, je serai actif sur les pages. Mais je veux dire, s'il y en a qui veulent porter le mouvement... devant les radios et compagnie, nos soucis. On en discute là après et on peut se partager aussi, hein, il n'y a pas de problème. On est là pour se battre, pour vous soutenir. Oui, oui. Surtout nous. Christophe, c'est un volet, hein. Christophe, là. Merci. Bon, alors, il est prêt à partager. Tout le monde est prêt à partager les gourmets, c'est pareil. C'est parfait. Christophe, est-ce qu'on va bloquer les stations de service ? Moi, je ne suis. Christophe, je vous le dis et je vous le répète. Christophe, c'est le porte-parole. Bon, mais. Donc la décision se prend là. Le but, déjà, c'est de les bloquer pour leur faire comprendre que, déjà, il y a donc, un problème. Est-ce que vous êtes favorable à bloquer les pompes à essence ou non ? On lève la main, s'il vous plaît, qu'on voie un petit peu. Bon, blocage des pompes à essence, validé. Non. Les radars, il faut les masquer. Bloquer les stations, oui, mais il faut pas trop. Ok, pour bloquer les stations, mais il faut pas trop se disperser. Est-ce qu'on sera assez nombreux pour bloquer toutes les stations ? Oui, bien sûr. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Qui c'est qui veut prendre la parole ?
Est-ce qu'il ne serait pas bon de laisser la gratuité sur les péages aussi? Je pense que laisser la gratuité sur les péages, ça ramènerait beaucoup plus de monde avec nous. Là, le problème que l'on a... Ouais, mais le problème, c'est... Attends. Oui. La réflexion est pertinente. Il y a des gens qui travaillent. Si on bloque, on peut pas laisser les péages ouverts. Soit on bloque, et le lundi ou le dimanche, on ouvre les barrières. Enfin, voilà. Tu bloques l'entrée, tu laisses ouvert l'ouverture à la sortie. Ah, oui, tu fermes l'entrée du péage. Il faut fermer l'entrée des péages et laisser ouvert les barrières pour les gens qui sortent. Voilà. Et là, ça sera rentable. Non. Ah oui, ils sortent, ils n'ont pas les tickets. Il faudrait peut-être s'occuper aussi des radars. Ah, yes. Non, les 90 km, les masqués, les bloqués, quoi. Il faut les faire péter, les radars. Sur les radars, on en a discuté dans des groupes. Pas de démolition. Par contre, pas de trace copain. Mais filmer, ça passe vite. Donc favorable pour filmer les radars. Tu vas les repayer. Les mecs, ils ont fait un prêt. 1,6 milliard, ils nous ont pris. Il faut qu'on soit un nombre minimum pour être difficile à éjecter. Et en même temps, je veux dire, on va pas, par exemple, le péage d'Avignon Sud, on va pas s'y mettre à 60 et puis qu'il y en ait que 10 à un autre endroit. C'est pour ça que vous avez les cahiers qui sont là-bas. On a 3 semaines pour préparer ça. C'est pour ça que dans les cahiers, on vous demande de vous noter par secteur que vous voulez bloquer. Ensuite, on va venir vous rencontrer. Moi, je vais me faire le déplacement quotidiennement, enfin pendant la semaine, préparer cette action. Si on voit que sur un rond-point, vous vous retrouvez à 500, ce n'est pas la peine. Voilà, on demandera à une partie de se déplacer sur un autre secteur. Donc c'est pour ça, nous avons 3 semaines pour préparer l'organisation. Je l'ai expliqué, on part sur un petit marathon. Mais pas un sprint, demain on va pas tout casser. Donc, on se structure, le... Après je le comprends, il veut tout casser. Bon. Voilà. Le 17. Déjà pour ma part, hein. J'ai même pas besoin d'être là. Je gagne pas des millions, mais je gagne très très bien ma vie. Et moi, je fais ça pour mon gosse, hein, et pour montrer surtout à mes grands-parents que je suis d'origine immigrée et qu'ils disent que le français n'a pas de couilles. Et j'ai 40 ans, ça fait 40 ans que j'entends ça. Et ça fait 20 ans que j'attends que les Français se réveillent. La durée du mouvement,
Ça, c'est une très bonne question. Indéfini. J'ai fait des stockages de pommes de terre. Il n'y a pas de début de fin, c'est permanent. Non, mais il y en a que pour 10 heures du matin. J'arrive. Non. On est là, on parle ce soir de la journée du 17. On est venu là se rencontrer pour préparer l'action du 17. Mais pendant 3 semaines, on va préparer l'après 17. On va se rencontrer. On va le structurer. Oui, non, mais aujourd'hui, on est là pour des gens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Si vous avez le nombre de personnes qu'il y a déjà dans la salle et que l'on est arrivé à rassembler en 4 jours. C'est fabuleux, hein. Je veux dire, vous pouvez tous vous féliciter. Bonjour tout le monde. Je pense que les motards s'occupent très bien des radars toute l'année. Ils n'ont pas besoin de nous. Et je pense qu'il vaudrait mieux bloquer les centres commerciaux, l'accès aux centres commerciaux, et pour éliminer l'apport de taxes supplémentaires au gouvernement, qui nous prend légèrement pour des couillons. Donc je pense que les radars, on n'a pas besoin de s'en occuper. Les motards sont là pour le faire toute l'année. Et on bloque. Alors l'accès du centre commercial est un terrain privé, donc on n'a pas le droit d'y aller. Mais on reste sur la voie rapide et on bloque l'entrée des centres commerciaux d'Avignon. Bonsoir. Une question très simple. Quelle attitude adopter en cas d'intervention des forces de l'ordre pour des déblocages ? Je pense que vu la masse que nous serons, merci. Non, mais après, on va discuter de l'attitude que nous allons avoir. C'est sûr, voilà, c'est le 17. Le 17, c'est de rester, comme on l'a dit, j'espère qu'il fera beau, c'est d'arrêter la voiture, descendre, fermer la clé et essayer d'être en communion et de tomber le saucisson, comme je l'ai dit sur la vidéo. Quoi. C'est un petit peu l'idée. Après, bien sûr, que s'ils viennent nous attaquer, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, sachant que, bon là, il y a beaucoup de... On est tous automobilistes, mais sachez qu'il y a déjà des convois de tracteurs qui vont se mettre en place. Non, ce sont des amis agriculteurs qui vont nous rejoindre. Et les camionneurs. Non, mais il nous faut de la grosse machine devant. Et il y aura sur Pertuis... Des gens qui ont des carrières qui m'ont donné leur feu vert, donc ils vont venir avec du gros matériel. Voilà, donc cela, je pense que pour démarrer et sortir un bulldozer, un chargeur à roue, il va falloir qu'avec leur petite dépanneuse, il soit costaud. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est de mettre ces véhicules en premier, et puis derrière, voilà. Question de sécurité, tout à l'heure, il y a une personne qui parlait de faire une chaîne humaine. Personnellement, ça, je suis contre, parce qu'il y a toujours des tarés qui vous ont forcé. Et ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Quoi. On met les voitures pour bloquer, mais à aucun moment, on met du piéton sur la route, parce que ça serait vraiment trop dangereux. Quoi. Alors, moi, c'est Kevin. J'ai fait des stickers, parce que le mouvement, c'est bien, il se développe sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais tout le monde ne se fie pas à ça. Il faut aller dans les rues, aller prospecter, en parler à ses voisins, en parler à ses commerçants. Encore tout à l'heure, je suis parti prendre un paquet de cigarettes, le mec, il n'était pas au courant. Pour lui, c'était l'essence et l'essence. Donc, voilà, il n'y a pas que ça, c'est un ras-le-bol, et ça, il faut le dire. Mais en dehors des réseaux sociaux, si les gens voient que vous vous bougez dans la rue pour en parler, déjà, ils vont se dire qu'ils sont un peu plus motivés que être le cul sur une chaise, sur un ordinateur, à taper sur le clavier, je serai là. Il est très actif. Oui, Bruno, je suis artisan. J'ai été gérant de station de service, donc je peux vous dire que c'est nul. C'est pas c'est nul de bloquer les stations de service, car quand les gens veulent savoir que le 17, il va y avoir un blocage,
quelques jours avant, ils m'ont mis des cubes, comme ils m'ont fait à moi quand il y avait des grèves. Donc, c'est pas très bon. Après, pour les magasins, c'est pareil. Parce que les magasins, ils vont être bloqués par les voitures déjà. Parce que si on bloque les points stratégiques, l'autoroute, la 7, tout ça, automatiquement, tous les magasins seront bloqués aussi. Pour n'y sortir ni rajouter, j'ai appris petit côté sur des magasins, des stations de service. Bah, je suis désolé, mais après, ça, personne n'arrive à ça. Après, il y a l'autoroute. Le plein avant, en tout cas. Ils n'ont pas de manquer les gens, c'est ça qui fait que ça avance pas. Dans la 7, je me trompe pas. Autoroute, blocage complet. Mais non, j'ai pas d'autoroute. À bloquer les nationales, automatiquement on va bloquer les autoroutes, ça sert à rien de vouloir faire des blocages spécifiques à des endroits. Quand on va bloquer toutes les nationales, tout va se bloquer automatiquement. Il y a des bonnes stratégies qui vont se faire, je pense qu'il faut bloquer la direction de Carpentras à hauteur de Vedaine. Automatiquement, dès qu'on voit des autoroutes, ça se bloque jusqu'à Avignon. Donc je vois pas pourquoi on irait bloquer des points. Juste un seul, ça va faire la suite. Et si on veut bloquer aussi Avignon, bord du Rhône, il suffit de s'arrêter en plein milieu et ça va faire dans le même sens. Voilà. Pour les réseaux sociaux, je pense qu'on devrait faire attention à tout ce qu'on dit parce qu'on est en train de leur mettre du miel entre les mains. Ils n'ont plus qu'à prendre tout ce qu'on dit et savoir où on va attaquer et se préparer à nous empêcher à le faire. Oui, bah, ils y seront, ça c'est sûr. Mais... Oui, parce qu'on leur a déjà tout mis entre les mains. On sait que c'est à 8h, ils savent déjà où c'est, quand, comment et voilà. Ça nous empêche de bloquer les ronds-points, on bloque en avant, c'est pas un problème. Qui c'est qui veut prendre la parole? Ah, pardon. Alors, moi je voudrais savoir si vous êtes en relation avec d'autres départements pour bloquer. Je suis en relation au niveau national. Donc on est en relation, je pense qu'on a partagé un point national. Vous avez dû l'avoir passé la carte. En cliquant dessus, on avait des points de... Donc elle est remise en route, réinitialisée une fois par jour. Là, sur le, il y avait Pollen, je crois Pollen, il y en avait deux ou trois qui n'étaient pas encore mis à jour. Donc on retransmet les informations régulièrement. C'est beaucoup de travail parce que j'ai aussi la charge avec mes collègues, parce que vous ne les voyez pas, là, ils sont dans le groupe de travail. Alors ceux qui veulent, voilà, ça c'est une information importante. Ceux qui veulent rentrer dans le groupe de travail, il n'y a pas de problème, ils rentrent, hein, ils nous font une demande, on les fait rentrer, quoi. C'est pas un problème. Donc l'information, oui, on l'a, mais je ne vous dis pas, j'ai le téléphone. Quand je le pose sur la table, il se dépasse tout seul, hein, parce que c'est 10 messages là, il faut suivre. Entre vous, sur le département, au niveau national, je vous garantis qu'il faut suivre, parce que ça se passe tout par Facebook. Donc c'est énorme à gérer. Je dors 3 heures par nuit, hein, je vous le dis. Donc à 1h je coupe et à 4h je me réveille. Mais bon. Voilà. Donc, par contre, je demande une chose, c'est une chose qui est importante. Sur la page 84, quand on envoie la photo de son gilet sur la route, bon, c'est bon une fois, mais après il ne faut pas le balancer 10 fois dans la journée parce que ça parasite les informations. Donc envoyer des choses sur la page 84 intelligentes, enfin intelligentes, quelque chose de sympa, mais bon, les gilets 10 fois par jour, c'est bon, on le sait. Et surtout que ça tourne, quoi, ça tourne en boucle. Si tout le monde balance les gilets, on ne s'en sort plus. Quoi. Quand on envoie vraiment une info, elle passe à la trappe. Quoi. Voilà. Ça, c'est un petit point. Soyez vraiment efficaces dans vos postes. On met le paquet. Mais n'arrêtez pas avec Facebook, on est suffisamment là pour en parler autour de nous. Comme ça, ils sont grands territoires à bloquer. Vous êtes arrivé ici comment? On est là. Mais là, on est suffisamment pour en parler. Non, mais moi, je vous explique. Moi, je suis à Sceaux, dans mon atelier. J'ai pas le temps. Je pourrais, mais j'ai pas le... Oui, mais oui, c'est une chose. Mais je ramène beaucoup plus. Là, j'ai des gens qui sont montés du 30. C'est pas parce que je vais chercher.
c'est des gens qui me suivent, on a les mêmes combats au niveau des artisans, et qui sont là. J'ai des gens du 30 qui vont monter le 17. J'ai des gens du 13 qui monteront sur le... Oui, mais ils vont remonter. Mais sur Facebook, on a une information, on vous la transfère de suite. On ne va pas prendre le téléphone. Après, si, vous pouvez envoyer des textos, relayer, tout ça. Tous les moyens sont bons. Et Facebook, c'est quand même le nerf de la guerre. Voilà. Oui. Une fois qu'on aura que chacun... Il y en a qui vont débarquer au dernier moment. Ça, on ne le sait pas. Mais majoritairement, dans les 3 semaines, d'ici 10 jours, chacun va savoir où il va aller poser sa voiture ou participer au point de blocage. Parce qu'il n'y a pas que des automobilistes. Hein. On a des gens qui vont venir en vélo, à pied, parce qu'eux, ils manifestent un mécontentement en général. Voilà. En tracteur aussi. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à poser? Vous faites que des blocages ou des manifestations? Non, on ne peut pas. Peut-être après, mais le 17, c'est blocage. Non, aujourd'hui, on parle du 17, et derrière, pendant les 3 semaines, on va enclencher tout le reste. On va se déplacer chez vous, dans vos groupes, dans vos villages, dans vos villes. On va organiser d'autres réunions, et c'est ce qu'il faut faire, c'est que les réunions que l'on va programmer et provoquer sur vos villes respectives, et c'est là qu'il va falloir rassembler. Voilà, parce qu'il faut que les gens entendent le discours. Et une fois que le discours est lancé, je vous garantis que ça fait tache d'huile. Hein. Voilà. Alors, moi, j'ai une question plutôt. Le 17, c'est pas moi qui ai choisi la date. Le 17, ça a été décidé, c'est ceux qui ont lancé le mouvement. Et la réponse, elle est quand même assez pertinente, qu'ils donnent, c'est que, et puis je la partage, c'est d'éviter... Le 17, pour impacter le moins de personnes, le moins de salariés, parce que je pense qu'une journée de travail, il y en a beaucoup qui ne veulent pas la perdre. Et le samedi, c'est uniquement pour... Je vais vous mener le micro parce que je ne vous entends pas. Et l'employeur, il n'est pas responsable aussi. Oui, un peu. Et d'autre part, c'est pour le 17, c'est pour... Le 17, c'est pour prouver au gouvernement qu'on est capable de se rassembler. Voilà. Après, les actions seront menées après. Mais le 17, ça va marquer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, demain matin dans la presse, quand les photos vont sortir, quand vous allez en parler sur les réseaux, parce que là, ça commence déjà à partager, là, il y a 350-400 personnes. Hein. Alors moi, c'est plus d'ordre logistique, parce que je pense que quand on va être dans les points de blocage, on va y rester une demi-heure, une heure. Pour la nourriture, la boisson. Non, mais après, chacun, moi je vais pas alimenter les points, chacun prend sa petite potasse et devient autonome, parce que sinon ça sort plus. Après, il commence à y avoir dans les réseaux, il y a une dame qui va faire sur Carpentras une grande pizza, et là qui vont mener des pizzas, il y en a qui vont nous faire une paella sur certains points. Voilà. Après, voilà, c'est à chacun à s'organiser sur son secteur. Moi, je sais que je ferai un petit tour partout. Chacun, c'est un bloc, mène des grillades et tout. Moi, j'ai la remorque, elle sera pleine de palettes. Ouais. Voilà. Un petit tour, une grille, et voilà, et ils sont réalisés. Voilà. Alors, moi, c'est pas une critique, c'est pas quoi que ce soit, c'est une suggestion, c'est parce que sur Facebook, c'est un petit peu le bordel quand même en ce moment, on est inondé, on sait plus où donner de la tête. Moi, je pense que rapidement, ce qu'il faudrait, c'est qu'il se crée des groupes par département et par ville, que les gens, ils sachent où ils doivent aller, parce que là, même moi, j'ai créé un groupe sur Orange, il y a du monde, mais... Et en fait, il n'y aura personne. Hein. C'est ça le truc. C'est que les gens ne vont pas savoir où aller, ils vont s'éparpiller partout et on risque de faire plus mal.
rejoindre dans les grandes villes. Je crois que vous êtes arrivé en retard, non? Pardon? Il y a les cahiers derrière, là-bas. Eh bien, voilà. Donc, on est à mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ouais. On est à... Ça fait 6 jours. 6 jours, on est arrivé à regrouper autant de personnes. Plus pour beaucoup n'ont pas pu se déplacer. On va récupérer tous vos coordonnées sur les cahiers derrière. À partir de là, l'équipe qui gère un petit peu, qui organise, mais j'espère qu'il y en a d'autres qui vont rentrer, on va cibler les villes. Et à partir de là, on va vous accompagner sur chaque ville pour créer vos propres groupes de travail. Voilà. Après, la page 84, elle va servir à diffuser des informations générales. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une information par page spécifique à chaque point de blocage. Est-ce que des moyens de communication entre chaque point de blocage sont prévus? Parce qu'il faut qu'on puisse transmettre des consignes et éventuellement être au courant des avancées des négociations. Bonsoir. On parlait d'union au début. Et là maintenant, on parle de diviser, faire plusieurs mouvements dans plusieurs villes. Pourquoi se diviser? Pourquoi pas rester unis, tous ensemble? On est plus forts ensemble. Tu veux pas être dans la même ville? Non, mais bon. Je comprends ça, il a son raisonnement et je comprends. Oui, non mais c'est... Ce qu'il y a, c'est que le département, les gens de Pertuis ne vont pas monter à Orange, donc il va falloir... Oui, mais tu vas avoir du monde de partout, je le dis. Voilà. Ne t'inquiète pas, il va y avoir du monde. Oui. Aujourd'hui, c'est la baisse des... Aujourd'hui, le mouvement il a été lancé pour la baisse des charges, des taxes sur les produits pétroliers. Non. On le sait. C'est... Mais on a 3 semaines, quand on va aller vous rencontrer sur le département, dans toutes vos villes, c'est là qu'on va vous demander un petit peu de synthétiser vos demandes. Et après, moi, je les fais remonter au niveau national, parce que c'est évident que le 17, on ne va pas s'arrêter là. Bon, mais aujourd'hui, on est tous conscients des différents problèmes que nous avons, mais pendant 3 semaines, c'est là, dans vos villes, je pense qu'il y aura un peu des porte-paroles, j'espère qu'il va y en avoir, parce que moi, je ne peux pas porter tout le monde. Il y en a qui vont se mettre en avant, qui vont créer des groupes de travail, et qui vont nous synthétiser, nous faire des propositions. Après, nous, on est là pour vous les faire remonter au niveau national. Voilà. Ensuite, c'est de préparer l'action pour les jours à venir. Voilà. Donc on déterminera pendant ces 3 semaines, l'après 17 novembre. Alors ce qu'il faut savoir, il va y avoir un groupe par point de friction. D'accord? Ensuite, il y a la page 84, générale, elle va rester. On va créer un groupe Facebook aujourd'hui. Il y a ceux qui ont décidé de rejoindre le mouvement et de participer. Je sais pas, je crois que c'est une vingtaine, non? Dans le groupe de discussion, là. Voilà. Après, au fur et à mesure, il y a des gens qui vont pas vouloir s'investir, il y en a d'autres qui vont vouloir rentrer. C'est à partir de ce groupe de travail qu'on va donner les consignes de partout. Et c'est à ces 2 ou 3 référents par commune, et ensuite de dispatcher sur la page, et de créer, vous pouvez créer aussi des groupes de communication. Exactement ce que je dis. Ah. Je parlais des points de blocage. Oui. Ben c'est à voir. Le point de blocage, c'est 4. Il y en a 13. Hein. Attends. Il va y avoir des banderoles. Je pense qu'on va. Il y a la masse. Ils vont pas venir nous chercher des... On va venir nous taquiner. Je pense qu'ils vont. Si après, bien sûr que s'il y en a qui vont chercher la guerre, les mecs, moi ça m'est arrivé il y a 5 ans, on a voulu faire les marioles, on y est allé avec notre bonne volonté, mais en face ils sont baraqués quoi. Ils ont les ce qu'il faut en matériel. Voilà. Je pense qu'il faut les laisser où ils sont. Puis je pense que ce soit, vous savez, on a des retours au niveau de la police, de la gendarmerie, tout ça. J'ai un major aujourd'hui qui m'a envoyé un texto hein, pour me féliciter de l'action que l'on menait. Un major, d'accord. Les gars, ils sont avec nous, ils partagent, ils ont le même quotidien que nous. Hein.
Je voudrais savoir s'il y en a qui sont prêts à rester fermes plusieurs jours à bloquer. Donc, c'est bon, il y a des provisions et des couvertures. Est-ce que vous êtes satisfait de l'ensemble des retours qu'on vous a fait ou non là? Oui. Je ne sais pas si vous voulez savoir autre chose. Il y en a. C'est... Déjà, le premier, c'est le gilet jaune. Voilà. C'est le gilet jaune, puis après on a notre ami Steven qui a fait des... vous savez, ce serait compliqué, tous les noms, toutes les personnes qui m'envoient des messages, de tout enregistrer. Alors, comme il y a monsieur au fond de la salle qui demandait pourquoi le samedi et pourquoi pas d'autres jours, j'ai fait une recherche là, le temps que j'étais parmi vous. Le micro, il marche pas. Là, ça va mieux. Alors, en 2015, on était à 151,3 milliards d'euros de recettes de TVA annuelles. C'est-à-dire qu'on est à peu près à 500 millions par jour quand on lisse, sachant que c'est le samedi qu'on dépense le plus, parce qu'on est tous dans les magasins le samedi. Imaginez le samedi si on arrive à leur faire baisser ne serait-ce que de moitié la recette de TVA. Aujourd'hui, le 18, il n'y a rien de prévu. Ça s'arrête que le 17. Aujourd'hui, le 18, il n'y a rien de prévu. Non, là, on est là pour organiser le 17. Mais on a, comme je l'ai dit, on a 3 semaines pour préparer l'après. Donc, quand on va aller vous voir ou sur Facebook, si vous nous faites remonter les informations, en disant. Le dimanche, on pourrait faire telle ou telle action. Pourquoi pas? Voilà, après le dimanche, on peut se centrer sur une action vraiment spécifique. Voilà. Est-ce qu'on a encore des questions? Je pense à un truc pour éviter les procès. Est-ce qu'on n'aurait pas tous caché nos plaques? Ça a été dit, mais voilà. Je repense à un truc tout à l'heure. Quand on va bloquer les routes, automatiquement tout va se bloquer. Donc je pense à un truc quand je l'ai mis sur les réseaux sociaux. Si on bloque à partir de Vedaine, automatiquement ça va boucher le rond-point. Le rond-point ne pourra plus sortir l'autoroute. Ça va rentrer dans l'autoroute et automatiquement ça va bloquer aussi toutes les autoroutes dans les deux sens. Un vélo dans le corps. Les motos. Non mais bon, sa réflexion est bonne. Je veux dire, ça va. Après ça va partir en cascade de partout. Hein. Bon après, par contre, eux, ils n'auront pas prévu le casse-route. Donc il faudra prendre un peu de pain supplémentaire pour ne pas se mettre à dos. Il y aura les poids lourds. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce que les motards seront... Oui, il y a des clubs de motards qui ont déjà enclenché le mouvement. Moi, ce que je pense, c'est qu'il va y avoir des... Je pense qu'il va y avoir des blocages avant le 17. Il faut s'y attendre parce que voilà, ça monte à la base déjà partout. Et là, on l'a vu, il y a des ralentissements avec les ambulanciers et tout ça. Je veux dire, là, ça a été une démarche et il y en a qui ne vont pas attendre jusqu'au 17. Mais nous, la journée, on doit préparer aujourd'hui la journée du 17. Après, s'il se crée un autre événement, moi je suis là pour porter la journée du 17. S'il se crée un autre événement dans le département juste avant, on peut accompagner, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Moi le premier j'y serai. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Les motards, levez le doigt. Moi je dis les radars, ils vendredi soir, on ouvre tous. Comment c'est ton prénom? Patrick, message reçu. Ah pardon. Est-ce que vous avez encore des questions à poser? Faites-moi remonter le pont, alors, parce que...
Est-ce que tout le monde a compris la démarche des, du global et ensuite des groupes sur secteur de blocage? C'est compris? On peut aller dans cette démarche-là, ça vous convient? J'ai vu sur Facebook qu'il y avait des, au niveau des autoroutes le 17 de mouvement social, le blocage des routes, prenez le train. Là j'ai vu qu'il y avait le cahier TGV, on fait quoi avec le train? C'est pas idiot ce qu'elle dit, parce que moi j'ai vu une vidéo qui tourne. Alors en fait, ils disent que lundi on prend le TGV tous ensemble, bien unis, comme ça on ne peut pas nous mettre de prune. Hein, voilà. Mais il faut y arriver jusqu'au TGV. Ouais. J'en ai dit profiter que j'ai vu hein, et que j'ai trouvé bonne. Et puis après, on part à Paris directement pour aller chercher Macron. Il nous a appelé, il nous a dit « Venez me chercher !» Alors on y va. Voilà. Bon, voilà. Alors je sais qu'il y a, il y a un appel national. Je ne sais pas si vous l'avez vu la vidéo du lanceur du mouvement qui a appelé hier à monter sur Paris aussi. Donc ceux qui ont envie de monter sur Paris le 17, il y a eu un appel national de fait. Bon, je ne sais pas s'il y en a qui monteront, ça c'est garanti. Mais nous essayons de bloquer déjà notre joli département du Nord. On y montera le 18. On y montera le 18. À Paris. C'est une délégation. Petite question là. Un radar, quand on le tag, c'est 3 fois plus cher qu'un sac classique. C'est nous qui payons. C'est nous. Présents, qui payons. Un sac classique, pas un tag. Sachez-le. Un sac classique, un scotch. Ce que vous voulez, j'ai pas un tag. Moi j'arrive. Je suis arrivée en retard, donc je sais pas ce que vous avez prévu au départ. On ne peut pas rassembler à la base, le but c'est pas ça, de rassembler et de... Si, c'est ça. D'accord. Est-ce qu'en bloquant finalement, voilà, c'est juste une question que je me pose. Est-ce qu'on ne va pas finalement rester dans, dans ce visuel de dire, ben, on fait encore chier les usagers, c'est ce qui passe de longue... Donc, bloquer, oui, ralentir, oui. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à faire des ralentissements, à du filtrage, voilà, exactement? Non, non, mais je pose une question. On doit rassembler, d'accord? Il y a eu une idée qui est passée sur le groupe, à savoir ouvrir les barrières du péage. Moi, perso, je suis fan, parce qu'effectivement, on nous encule, et bien, on ouvre les portes, et tout est gratuit samedi. Ah ouais! À un moment, il faut arrêter de prendre des gants. Ah, moi, j'en ai marre d'être à quatre pattes et de fournir la vaseline en plus. Oh, j'ai un ami, c'est un ami, c'est l'arc de triomphe, vraiment. Eh ouais, je suis entrepreneur en entreprise individuelle, en nom propre, au monde. Bref. Je suis tranquille. Donc non, la vraie question c'est finalement, est-ce qu'on n'a pas intérêt à travailler vraiment à rassembler les gens? On a parlé des barrières de péage, c'est pas possible, on va se faire emmerder. On a... faut trouver un moyen pour permettre à ces gens-là qui finalement ne rejoignent pas le mouvement directement d'avoir un intérêt à le rejoindre. Non, parce qu'ils ne vont pas avoir envie de te rejoindre. Elle a raison. Elle a raison. Si on prend les personnes en total, il est clair qu'on va avoir des problèmes. C'est clair. Elle a raison. Ah. Justement, hein, moi j'étais 68, hein, je peux vous dire que il y a eu des grosses bagarres à cause de ça. Hein. Moi personnellement, je dirais simplement
On se rassemble pour être à la base avec le peuple. Donc le but du jeu, c'est de ne pas se mettre le peuple à le dos, mais se le mettre avec nous. Donc suivant ce qu'on réagit, suivant notre attitude dans notre blocage, on va se mettre à dos les autres. Et si on se met à dos les autres, on fait comme tous les autres cons syndiqués, tout le bazar, et on retrouve dans le même bordel, ça ne marchera pas. Il faut avoir une attitude qui va faire que le peuple soit avec vous. Et le peuple, c'est qui? C'est vous. Voilà. Pour répondre à ta question là, des péages, si tu ouvres toutes les barrières et qu'on ne bloque pas de partout, quand le mec il va rentrer sur l'autoroute, il va arriver à une barrière qui n'est pas ouverte, il va faire quoi? Il va sonner, il va dire je ne sais pas, ils vont faire quoi? Ils vont y faire payer le plein pot. Donc ce qu'il faut faire, c'est bloquer les entrées et ouvrir les sorties. C'est comme ça qu'il faut faire les projets. Parce que sinon, ça va contribuer à PAP quand tu vas arriver. Voilà. Après, tout ce qui est filtrage, on a autour de nous, là, qui sont tous ce soir, des transporteurs qui sont là dans la salle, avec des agriculteurs et tout, c'est eux qui vont filtrer. Nous, ce qu'on est à pied avec nos petits véhicules, il faut qu'on bloque. Donc c'est pour ça qu'il faut faire appel à tous les transporteurs et les agriculteurs que vous connaissez autour de vous, les appeler et faire appel qu'ils viennent dans la rue avec leurs machines et leurs camions. C'est pour ça qu'on a besoin d'eux, parce que des véhicules légers c'est bien, mais des véhicules lourds c'est encore mieux. Ouais. C'est ça qu'il faut comprendre. Si nous on peut bloquer à pied et qu'eux ils peuvent faire des filtrages, des trucs escargots sur la route, on gagnera de partout. Ouais. C'est pour ça qu'il faut faire ça. On est d'accord. Je suis désolée de faire qu'on fasse chier les autres usagers, parce que les autres usagers qui sont pas d'accord avec nous, c'est qu'ils gagnent plus que nous et qu'ils s'en foutent de se faire enculer comme disait la personne. Parce que dans ces cas-là, ils ont qu'à venir nous rejoindre. Parce que y a tout dans la rue pour le foot, il y a tout le monde qui était sorti pour le foot, il y a tout le monde qui était là dehors, il y a eu des casseurs, il y a eu tout ça, et pour nous, avec toute l'augmentation qu'on a, eh ben on doit fermer notre gueule et dire amen à tout ce qu'on a grandi. Je suis désolée, je suis pas d'accord. Les gens ont peur, ne jugez pas, partez vraiment avec cette idée de bienveillance et de transmettre une message. Oui, c'est ça. Alors, j'entends. Peur de quoi? Peur de quoi? La police va venir, ils vont faire quoi? Ils n'ont pas le droit de nous juger. Dans tous les cas, ils n'ont pas le droit de nous juger. Peur de quoi? Excusez-moi, mais payer 192 euros de PV pour une gêne à la circulation, est-ce que ça va vous déranger? Non mais par contre, je pense qu'on ne doit pas juger les autres pour quelles raisons ils ne viennent pas avec nous. Voilà, il faut partir des ailes, parce que j'en vois après les sensibilités. Ce que je veux dire, moi, c'est que dans 3 semaines, tout le monde sera au courant du mouvement. Ceux qui ne veulent pas être bloqués, qui ne veulent pas participer au mouvement, ils resteront chez eux. Hein. La parole pour nous, c'est juste pour vous dire que je inadmissible et impensable qu'on bloque des gens pendant 2 heures sur l'autoroute. Il va y avoir des familles, il va y avoir des gens qui vont se déplacer, qui ne seront pas forcément des véhicules. Donc, non, mais voilà, c'est ça. Il faut bloquer l'entrée de tous les péages autoroutes du Vaucluse et faire les sorties gratuites. L'argent qu'ils auront perdu sur les trajets de péage, ils ne les récupéreront pas le lundi. Vous bloquez les magasins, vous ne ferez pas les courses le samedi, vous irez les faire lundi, mardi, mercredi. Donc la TVA rentrera pareil. L'argent qui sera perdu sur les péages autoroutiers, ils seront perdus définitivement. Donc ça leur fait perdre de l'argent, ça va marquer les esprits. Après, bâcher tous les radars de la région, ça va leur faire perdre de l'argent, ça va marquer les esprits. Ça met toute la population de notre côté et pas contre nous. Donc je pense qu'il faut vraiment se focaliser sur ces 2 points-là. Après, faire des barrages routiers, oui, mais filtrants, parce que c'est pareil, si vous voulez vous mettre le 3/4 de la population qui ne sera pas à bloquer contre nous, ça sera l'idéal, je veux dire. Donc, montrer qu'on est là, bloqué à Avignon, etc., mais il ne faut pas bloquer tout le département complètement, mais c'est mon avis. Le truc, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc il faut empêcher l'argent de rentrer au gouvernement. Voilà. Donc c'est les radars en premier et les péages. Bon, bah merci du cadeau. Christophe est parti. Je pense qu'on a fait quand même tour de pas mal de questions. Moi, ce que je retiens surtout, c'est l'unité, avant tout. Et c'est ça qui est chouette. Et effectivement, il y a portefeuille. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Mais la plus belle chose qui se passe aujourd'hui, ce qui va se passer les prochains jours, c'est cette unité. Et la solidarité. Tout
effectivement. Et ça, s'il vous plaît, gardez-le. Quoi qu'il se passe, gardez-le. Ça, c'est le truc, c'est vos trucs. Ok. Donc, on est tous différents. Hein. On a tous des différences. Mais. On est tous concernés. Et voilà, on est tous concernés. C'est-à-dire que les divergences politiques et tout, on défend ça avec, avec nos tripes. Et ça, faut continuer. Quoi. On s'en fout. Hein. On s'en fout de ce qui se passe, les politiques, le reste. Nous, ce qu'on veut, là, c'est changer les choses. C'est ce qui se passe chez nous. C'est ça. Ça nous fait mal, j'ai posé le portable. Exactement, c'est la France d'en bas qui morfe, madame. On est d'accord. Donc l'idéologie de cette réunion et des jours suivants, c'est surtout dire que c'est pas eux de nous donner les directives, nous imposer les choses. C'est à nous de faire remonter les informations par cette unité, avec nos différences, avec notre différence. Pourquoi non ? Ils prennent le pas. C'est à eux de prendre le pas, et pas à nous. Pardon ? Bien sûr, restez unis. C'est le but de cette soirée. D'accord ? Contre Macron. Et, contre Macron, mais pas que contre Macron. Vous savez ce qu'on est ? On est unis pour quelque chose, madame. On est unis pour. Exactement. Être contre, on peut être contre tout. On est bien d'accord. C'est l'unité qui va faire la différence. Et c'est cette unité-là, malgré toutes nos différences. Les divergences que j'ai vues là ce soir, c'est top, parce qu'on est tous unis pour la même chose, malgré les divergences. Et c'est ça qui est fantastique. Merci. Je voulais remercier. C'est top, entendez-moi. Ouais. Je veux pas clôturer, mais juste. Parce que le monsieur qui était là tout à l'heure, il s'appelle Claude. Qui était là, qui est responsable en fin de compte de la salle. Enfin, responsable, c'est le gardien. Ce monsieur est venu nous ouvrir. Il a d'autres choses à faire aussi. Je sais pas s'il porte le mouvement ou quoi le reste, mais il est venu pour nous. Alors merci à Claude, merci pour nous. Et il est important aussi de tous se remercier les uns les autres, parce que sans ça, c'est pas possible. Voilà. Merci à tous encore une fois, vous pouvez vous applaudir. Et merci. J'ai une grande fierté ce soir de voir tout le monde. Merci.